Bonjour, ce matin je vous propose une lecture dans le livre Puissance de la grâce, écrit par Ellen White. Un esprit orienté. C'est pourquoi saignez les reins de votre entendement, soyez sobres, ayez une entière espérance dans la grâce qui vous sera apportée lorsque Jésus-Christ apparaîtra, 1 Pierre 1, verset 13. Peu de gens réalisent qu'ils ont besoin de contrôler leurs pensées et leur imagination. Il est difficile de fixer un esprit indiscipliné sur des sujets intéressants. Mais si nous ne faisons pas un bon usage de nos pensées, les valeurs spirituelles ne pourront pas s'épanouir dans notre âme. L'esprit doit être préoccupé par des choses sacrées et éternelles. Sinon, il entretiendra des pensées frivoles et superficielles. Les facultés intellectuelles et morales doivent être disciplinées. Elles se fortifieront et se développeront par la pratique. Pour bien saisir ce sujet, nous devons nous rappeler que nos cœurs sont naturellement dépravés. Nous sommes incapables de poursuivre la bonne route par nous-mêmes. Nous pourrons être victorieux uniquement par la grâce de Dieu, unis à nos efforts les plus ardents. Toute mauvaise tendance doit être réprimée, non d'une manière nonchalante, mais avec fermeté et avec la résolution de faire du Christ votre modèle. Que vos affections se tournent vers les choses que Jésus aimait, éloignez-vous de celles qui vous écarteraient du droit chemin. Avec détermination, efforcez-vous chaque jour d'améliorer votre caractère. Vous devez avoir beaucoup de fermeté pour vous maîtriser et devenir ce que Dieu veut que vous soyez. L'intelligence, tout comme le cœur, doit être consacrée au service de Dieu. Celui-ci a des droits sur toute notre personne. Le disciple du Christ ne devrait ni céder à ses passions, ni suivre ses voies. Aussi innocente et louable qu'elle puisse paraître, qu'une conscience éclairée lui dénoncerait comme dangereuse pour son zèle et sa spiritualité. Que chaque chrétien travaille à repousser le mal et à protéger nos jeunes des influences qui les entraîneraient vers la ruine. Que Dieu nous aide à remonter le courant. Prions ensemble en ce matin. Humblement à tes pieds, Père, nous venons te dire merci pour ton amour, merci pour ta grâce, ta paix, ta miséricorde, merci parce que tu continues à prendre bien soin de nous. En ce matin, Père éternel, tu nous rappelles que nous devons ceindre les reins de notre entendement, être sobres, afin, Père éternel, d'avoir un esprit éclairé. Merci, Père éternel, de nous aider à étudier ta parole, de nous aider, Père éternel, à choisir ce qui est juste et bon pour notre croissance spirituelle. Aide-nous à bien comprendre les sujets, Père éternel, de ton royaume. Aide-nous à nous rappeler que nos cœurs sont naturellement dépravés, que nous avons tendance à nous orienter naturellement vers ce qui est mauvais. Et pour que cela puisse cesser, nous devons constamment porter nos esprits vers les réalités éternelles. Merci Père éternel de construire notre intelligence, de construire notre être tout entier, et nous voulons nous efforcer chaque jour à améliorer notre caractère avec l'aide de ton Esprit Saint. Merci Père éternel de nous aider à repousser le mal et protège-nous par tes saints anges. Garde-nous dans ta grâce et dans ta paix. Au nom de Jésus. Amen. Je vous invite à passer une très belle journée et n'oublions pas, saisissons les réalités éternelles pour que nous soyons unis au Christ.